rendez-vous annuel des jeunes talents de l'art oratoire en partenariat avec l'UNICEF. Eh bien, ce concours est axé de moins de 30 ans. Eh bien, cette édition, mesdames et messieurs, la troisième du genre, est donc placée sous le thème Covid-19. Quelle vie après? شهيد العالم خلال أواخر العام 2019 لفرد منا أن يساهم بدوره في إيقاف التفشي لفرد منا أن يساهم بدوره في إيقاف التفشي لن تظل بلا شك الحياة بعد الجائحة حياتنا أنتم فيروس إنفيزيبل عليني أبي بوزي دي ديغا كل موند ne sera jamais prêt à oublier et continue de le faire sans équivoque jour après jour. Le troisième en ça va rester là. Voilà. Alors là on est au deuxième prix quand il y a un break devant les caméras de photo. Voilà. Témoin de cette belle soirée de concours de l'éloquence. Écoutez, j'ai passé un excellent moment avec ce concours d'éloquence. C'est une excellente initiative qui a été prise par l'UNICEF et par Traversée Mauritanie. Et j'ai pu voir des jeunes gens absolument remarquables dans leur expression et emplis d'énergie. Et j'ai passé un très très grand moment et je suis très très heureux d'avoir pu participer à ce concours d'éloquence. Merci à vous. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis très contente d'être la lauréate du concours d'éloquence 2022. Et je profite pour dire à la jeunesse mauritanienne de participer l'année prochaine, de venir transmettre leur message à la Mauritanie et à l'ensemble de la société. Franchement, la finale n'a pas été facile, c'était vraiment chaud. Mais voilà, encore une fois, je remercie et je souligne que je ne suis pas la seule gagnante ce soir. Nous sommes tous gagnants et c'est la Mauritanie qui gagne, mais surtout la jeunesse. Merci. Alors ce fut une très belle expérience. On est tous gagnants dans ce concours. Il n'y a pas de perdants. Tous les 14 ont gagné parce que chacun de nous a donné l'espoir qu'il a après cette pandémie. Parce qu'il est vrai que la pandémie de Covid-19 a eu des répercussions négatives sur plusieurs secteurs. Mais on a gardé une lueur d'espoir en nous. Et c'est ce qu'on est venu partager ce soir. Et aussi, ce concours a été bénéfique pour moi du côté de la formation parce qu'on a bénéficié d'une formation. Elle nous a permis, avec des formateurs remarquables, qui nous ont coachés sur tout ce qui est prise de parole en public, le gestuel, la prosodie de la voix, c'est-à-dire les variations, les fluctuations de la voix. Et ce fut une très belle expérience. Et on a connu beaucoup de gens. Et c'est ça la Mauritanie, la diversité culturelle. Je vous remercie. Bien sûr que je suis très, 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 très contente aujourd'hui. Et encore, je vais remercier ma famille et les juges qui m'ont choisi. Et encore, أريد أن أشكر أبي طبعاً. لولا ما كنت هنا. أريد أن أشكر أبي. وأشكر جميع زملائي أيضاً. شكراً جزيلاً. Merci à vous tous. Merci.